est où ton frère? Je sais pas. Anton! Anton! Il est là-bas! Anton! Bonjour. Bonjour Nigel, qu'est-ce que tu fais là? Ta mère t'a pas prévenu qu'elle m'avait convoqué? J'ai proposé à Nigel de s'installer ici pendant que ton père et moi nous serons à Rome. Je pensais qu'il était urgent qu'il voie ses enfants. Les vacances avec mon ex-épouse chez mes ex-beaux-parents. Je suis pas mûr. J'avais cru comprendre que t'étais là parce que les enfants te manquaient. Les enfants, oui. Tes enfants te tyrannisent, tu t'en aperçois même pas. Je suis débile, forcément. Les mères, c'est connasse au cerveau en fromage blanc. Excepté toi, bien sûr. Illusion d'accepter de me donner sa main. On va se marier. Je t'interdis de te marier, c'est clair? Excuse la vulvaine, hein. C'est des hormones. Léna, tu m'as jamais rappelé? Il n'y avait aucune raison d'y croire. Ah si, excuse-moi. Parce que t'embrassais vachement bien. Aujourd'hui, j'ai un problème de nounou. Faut que j'aille récupérer mes enfants. Je ne veux pas entendre parler de vos enfants. Je m'en sors plus, Nigel. Tu t'en sors pas si mal. Vous n'aimez pas les endives braisées? Personne n'aime les endives braisées dans la vraie vie, maman. Non mais c'est pour enterrer quoi, les fleurs? Occupe-toi de tes couilles. Ne sois pas vulgaire. Excuse-moi, mais j'étouffe. T'étouffes depuis que t'es née. L'oxygène, il y en a largement assez pour tout le monde, vois-tu? Maintenant, il n'y en a plus, on est trop. Tu vois pas que tu t'es juste habitué à pas respirer? Non, parce que je veux pas te brusquer, mais je suis tout nu sous les draps. J'ai un peu froid.